depuis maintenant 9 ans, c'est une série qui a beaucoup évolué, qui se remet sans cesse en question et qui progresse continuellement. Et d'autre part, qui parle à plusieurs personnes. Ça parle à toutes les générations. Il y a des intrigues policières, il y a des intrigues sociétales, où là, on interroge vraiment les gens sur ce qui se passe dans la société aujourd'hui, ce qui se passe chez eux, ce qui se passe dans leur vie. Dans ce prime, hein, en fait, les personnages et... les personnages premièrement sont soumis à d'autres histoires et nous en tant que comédiens ça nous fait un peu une respiration parce qu'on sort du rythme de la quotidienne et on peut travailler les choses un petit peu plus profondément peut-être, un peu différemment quoi. Alors, je pense que c'est la série qui fonctionne aussi bien. C'est tout simplement parce qu'il y a une très très bonne ambiance. Sur le tournage du Prime, par exemple, on s'est vraiment marré. Je crois que tout le monde s'est amusé. Le réalisateur est génial. Toute l'équipe était super. Je ne sais pas ce que cet épisode de Saint-Valentin a plus que les autres, mais en tout cas, à la lecture du texte, on était mort de rire et qu'on avait super hâte de le jouer. On a tourné en costume d'époque, alors ça, c'était génial. Mais ça se passe vraiment bien. On est tous contents de se retrouver. On s'amuse tous. Ça nous fait chacun marrer. Je pense que c'est ça qui fait que ça fonctionne. Ce que je pense, c'est que ce qui est très bien réussi, c'est que ça « chope », entre guillemets, hein, le quotidien de chacun. Chacun peut s'identifier. Les gens ont besoin de se sentir à un moment donné égal et valorisé. Donc je pense que quand les gens voient cette série, ils disent « Tiens, moi aussi, je suis infirmière, je pourrais faire ci. Moi aussi, je suis homo, mais pourquoi pas avec un beurre. Moi aussi, je suis black. » Non, mais vous voyez, ils ont réussi ça. C'est que c'est une grande famille où il y a une espèce d'égalité et de bonheur de vivre. Voilà, chacun a droit à son bonheur de vivre dans cette série. Si je devais retenir un élément de ce prime de la Saint-Valentin, l'élément c'est l'amour, c'est la Saint-Valentin. Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir ou s'en inquiéter, mais il n'empêche qu'il n'y a que Plus belle la vie qui en ce moment est plutôt libre de ton. Dans les conditions d'un prime, on est dans les conditions d'un téléfilm traditionnel. On a des contraintes, mais maintenant, on les a partout. Et il y avait un enthousiasme et des comédiens de Plus belle la vie et des autres à vouloir qu'on réussisse quelque chose ensemble. Je pense que c'est une série qui parle aux gens parce qu'elle représente les gens. C'est-à-dire que moi, je parle d'un principe que les gens qu'on voit dans la rue, on ne les voit pas souvent à la télévision, je veux dire, commissaire noir, un avocat maghrébin, des homosexuels, des petits, des gros, des moches, des cons, des pas cons. Et en fait, il y a tout ça dans Plus belle et le fait que, surtout, ça suive l'actualité aussi, je pense que ça y fait. Voilà, et donc, je pense que c'est une série qui reflète la vraie vie, quoi.